Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons voir l'avant-dernier son, la lettre T qui va se prononcer S. C'est parti. Comme d'habitude, observe l'image, puis réponds aux questions. Où se déroule la scène? Qui voit-on? Donc devant, mais aussi à l'arrière-plan, donc au fond sur l'image. Qu'y a-t-il par terre devant les enfants? Que font les enfants? Qu'y a-t-il au-dessus du chien? Reconnais-tu ce symbole? C'est un signe de ponctuation. Pourquoi, à ton avis, il y a ce symbole? Rappelle-toi comment Taoki a rencontré Hugo au début de l'année scolaire. Il était sorti d'où? Et à ton avis, où vont les enfants? Vous avez compris que les enfants partent avec Taoki à travers le livre découvrir son monde à lui. Le son, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être la lettre T qui va chanter S comme dans habitation. Alors, ça, c'est souvent le cas, enfin, tout le temps, tous les mots qui finissent par sion, habitation, récréation, soustraction, addition, potion, dès qu'il y a sion, c'est le T-I-O-N, pas compliqué. Des fois, le T va chanter dans d'autres mots, mais qui sont beaucoup plus rares. Retenez surtout que c'est dans le sion qu'on va le trouver. Opération, par exemple. Addition. Récréation. Donc, en gestion, c'est T-I-O-N. Quelques exceptions. On a par exemple martien. Les habitants de la planète Mars. Un dictionnaire. Donc, mais en général, enfin, vous en CP, concentrez-vous sur le sion T-O-N. Je vais vous dicter maintenant. Une habitation. Il y a un H muet au début. Donc bien sûr, le sion, on vient de le voir. Hein, une habitation. Une soustraction. Soustraction. Une collection avec deux L. Collection avec deux L. Un martien. Donc bien sûr, le S avec la lettre T et le yin de musicien qu'on a vu la semaine dernière. Un martien. Une interdiction. Une interdiction, un simple de lettres. La solution. La solution. Enfin, un mot compliqué, un dictionnaire. Donc, dic, show, avec un T, ne, deux N, le E, A, I, et re. Dic, show, ne, re. Passons au dicté de phrase. Première phrase. Martine n'a pas trouvé la solution de l'opération. On y va. Martine avec majuscule. Martine. N-A. 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 Pas des mots-outils. Trouver. Comme ça se prononce et accent. La solution. La solution.
de l'opération. L' apostrophe opération. Martine n'a pas trouvé la solution de l'opération. Point. Deuxième phrase. Martin, cette fois, sait calculer les additions et les soustractions. Donc, Martin, majuscule N de lettres. C'est le verbe savoir, AI plus T muet. C, AI plus T muet. Calculer, ER, c'est calculer, ER, les additions, les additions, 2D, on n'oublie pas le pluriel, et deux lettres, les soustractions au pluriel. Point. Donc ce soir, lors des devoirs, tu peux t'entraîner à réécrire les mots et les phrases. La fiche son, la voici. Alors, il n'y a pas d'histoire spéciale sur les alphas hein, pour la lettre T qui chanteuse. Elle veut juste chanter comme le serpent, surtout qu'elle voit Madame I. La première partie. Il faut dire si on entend. C'est-à-dire si le T va chanter T ou S. Donc nous, on va colorier simplement quand on entend le S. Première image, un dictionnaire. Donc là, on va colorier. Ça fait bien S. Une tétine. J'entends pas le S. Donc je ne colorie pas. Martien. Ça fait bien S. Tigre. J'entends pas. Donc la deuxième ligne, tu la liras tout seul, puis quand tu entends le son S, tu coloris. Si le T chante T, tu ne coloris pas. En dessous, tu as l'habitude, on lit les mots, je fais la croix ou j'entends le son S. Donc, tu feras tout seul à la maison. Ensuite, il faut lire les phrases et colorier les lettres qui vont chanter S. Donc, par exemple, le premier mot, Laetitia, ça va être le deuxième TI qui va chanter S. Fait une collection, donc là on retrouve le sion, T-I-O-N, de poupées en porcelaine. Et comme d'habitude, vous ferez la suite tout seul pour la dictée. Bon, on l'a faite déjà tout à l'heure, sinon vous pouvez aussi dicter des mots de cette partie-là. De lire les syllabes, qui sont d'ailleurs des mots, ou de lire les mots. Donc cette partie-là est à bien refaire, à bien travailler ce soir. C'est des mots qui sont assez compliqués puisqu'on arrive en fin d'année. Tu peux maintenant passer aux exercices du fichier.